à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous pétez la forme. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite en mode Battle Royale. Il y a pas mal d'informations à vous donner sur la petite mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui. Alors c'était pas une mise à jour que vous avez pu télécharger, mais Epic Games ont quand même fait une mise à jour de leur serveur, ce qui a rajouté et supprimé certaines choses. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, on est parti. Alors la mise à jour a eu lieu aujourd'hui à 14h. Donc cette micro mise à jour a rajouté la mini potion de bouclier. Je vous en avais déjà parlé précédemment. Donc elle peut rajouter 25 points de votre bouclier. Attention, si vous avez 50 points de bouclier, vous ne pouvez pas la prendre car elle ne pourra pas vous rajouter 25 points de bouclier. S'obtient par parquet de 3 avec un cumul maximum de 10. Il s'agit d'un objet de rareté atypique. Peut être trouvé sur le sol, dans les coffres au trésor et dans les ravitaillements. Se consomme en 2 secondes et ne peut pas être consommé en se déplaçant. Et ça, ça paraît logique. Donc voilà une petite potion assez basique. On avait déjà la potion purple qui nous permettait d'avoir de la vie et du bouclier en même temps. Il ne nous manquerait plus que la potion ou bouclier. Et voilà qui est fait. Ensuite, ils ont supprimé et amélioré les pièges. Alors, les pieux de sol rétractable, la dynamo murale et le plafond électrocuteur ont été combinés en un seul piège qui s'appelle le piège à dégâts unique. Lors du placement du piège, il alterne automatiquement entre le sol, le mur ou le plafond. Le tremplin vertical et le tremplin directionnel ont été combinés en un seul tremplin qui donne le tremplin unique. Le tremplin ne peut toujours pas être placé sur les sols. Il faut absolument mettre un sol pour pouvoir le placer. Vous pouvez maintenant alterner entre les pièges en utilisant le même raccourci que pour changer le de matériaux de construction. Et le menu circulaire de sélection de pièges a été retiré. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez plus les pièges comme avant. Ils ont décidé de les retirer afin de les améliorer pour les remettre dans une future mise à jour. Mais pas d'informations à ce niveau là. Maintenant nous allons parler du futur de Fortnite et ce qui va arriver la semaine prochaine. Et accrochez vos slips parce qu'il va y avoir énormément de contenu et du contenu qui risque d'être assez drôle. On va commencer d'abord avec la bombe Boogie Woogie. C'est une nouvelle bombe qui va vous permettre de sûrement tuer vos ennemis ou tout simplement de les faire danser. Alors je ne sais pas vraiment le principe de cette bombe. Et si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire. La description de cette bombe c'est: ça va danser jusqu'au bout de la nuit, faites la fête la semaine prochaine. Donc on sait qu'elle va arriver la semaine prochaine, mais on ne sait pas encore quelle sera son utilité. Alors est-ce que c'est une bombe qui va déployer plusieurs bombes, qui va faire une bombe à fragmentation, ou c'est une bombe un peu comme un sorte de fumigène, mais qu'une fois que la personne est touchée, et bah cette personne va se mettre automatiquement soit à danser ou à friser, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre de faire ça comme ça, et ça me paraît un petit peu de la triche. Mais quand on voit que son nom c'est Boogie Woogie et que ça va danser jusqu'au bout de la nuit, on peut vraiment s'attendre à ce genre de choses. On va passer maintenant au nouveau mode de jeu qui arrivera sûrement la semaine prochaine avec l'ajout de la bombe Woogie Woogie. Et c'est le mode temporaire gros explosif, une bataille entre sections bourrées d'armes explosives et de surf sur roquettes. Alors vous l'avez bien compris, ça va être un mode vraiment explosif et ça va vraiment être le gros bordel. Après qu'Epic Games et Fortnite ont retiré le mode 50 versus 50 hier, ils se devaient de nous rajouter un nouveau mode à temps limité. Ils ont dit qu'ils allaient le faire très régulièrement. Et voilà chose faite, on n'a pas encore la date, mais à mon avis ça va arriver la semaine prochaine. Mais ça va être un peu du section vs section, mais seulement en lance-roquette, en lance-grenade, en grenade. Enfin bref, ça va être le gros bordel, j'imagine vraiment pas la section. Les maisons vont voler dans tous les sens. Enfin bref, ça risque d'être vraiment très très intéressant. N'hésitez vraiment pas à me faire part de vos réactions par rapport à ça. À votre avis, comment ça va se jouer? Est-ce que ça va être uniquement avec des explosifs, parce qu'ils disent quand même que c'est un mode temporaire gros explosif, ou alors on aura quand même la possibilité d'avoir d'autres armes, ou c'est les armes qu'on a déjà qui vont avoir des balles explosives? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à me le faire dans l'espace commentaire. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.